Moi, tu sais que les gens qui ne comprennent pas mon œuvre sont soumis quand même à un blasphème intellectuel. Le 29 août 2009, ce fut la dernière de l'été de ces émissions époustouflantes. Époustouflantes, oui. Non, c'est la... C'est ma... Bon, je suis un incompris. Alors le 29 août, avec moi ça fait 30 fous. 29-30. Non, ça piche pas de ce côté-là, là. C'est le néant intellectuel. Alors, plus juste pour vous, élevez-vous, Ils comprennent strictement rien, c'est... Excuse-moi, je crois qu'ils sont bouchés. Des deux bouts et du troisième bout. C'est des analphabets. Troisième bout, c'est analphabets. C'est blague, je vous aime. Pas de monde, là, quand même. Mais toi, oui. On enchaîne, on y va. On décapsule toutes les vidéos. Décapsulé. Ils comprennent rien, ils comprennent. C'est des... Intellectuellement, c'est... Excusez-moi. Mettez fou. Avec moi, 30 fous. Où il faut balancer le dernier mot, il ne vient jamais. Il y en a toujours un autre qui bouscule le prochain, puis qui ramène l'idée, puis qui nous ramasse les vieilles affaires, puis qui nous redit ce qu'il faut les dire, puis il faut pas les dire, il faut peut-être les retenir. Si on les retient, on les dira pas. Si on les dit pas, on les entendra pas. Les fesses, il y en a des belles, il y en a des folles, il y en a beaucoup de petites fofolles. Les fesses, il y en a pas des... Sont de moins en moins propres, hein? Ah, c'est... J'ai examiné quelques fesses hier, vendredi. Et oui, parce que le vendredi, c'est le moment où je culmine. Moi, je suis un mineur de fond. De derrière. Il faut des métiers pour chaque personne. Mon cher madame, ne vous offusquez pas. Tu vas continuer à tourner votre sauce à spaghetti. La petite viande à chier va rester coincée dedans, là. Ça va coller, vous ne pourrez plus les sortir. Bon. Ce qui est important, c'est toujours sortir la viande à chier, hein? Parce qu'elle est faite pour ça. Hein? Continuez. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Ah, mais moi, c'est le docteur Ledoux. Hein? Docteur Ledoux, comment ça va, docteur Ledoux? Ah, ben, ça va bien. Hein? Moi, ben, c'est le docteur Ledoux. Ben oui. Ben, j'espère que c'est le docteur Ledoux, vous venez de le dire. Ben oui, mais moi, c'est le docteur Ledoux. Hein? Bon. Avez-vous de la mémoire? Ah, ben oui. Hein? Ben, moi, c'est le docteur Ledoux. Ben oui. Hey, attendez, dites-moi le pas comme ça. Je vous regarde, là. Vous êtes pas le docteur Ledoux. Ah, ben, c'est moi, le docteur Ledoux. Hey, j'ai de la... Ça n'a pas de bon sens. Comment ça, je sais ça, ce nom-là? Ah, je sais, vous avez de la mémoire, toi. Vous êtes jeune. Vous êtes un jeune. Moi, c'est le docteur Ledoux. Ben oui. Quel âge vous avez, monsieur Ledoux? Ah, du côté des vertèbres, c'est pas très doux, là. Hein? C'est très rude. C'est ma prothèse qui ne protège plus ma bouche. Votre prothèse ne protège plus votre bouche. Ah non, elle dit n'importe quoi. Hein? Moi, c'est le docteur Ledoux. Ah oui, OK. Vous savez où vous êtes, là? Ben oui, mais je suis à une émission... On m'a invité à l'émission de radio Santé en Liberté. Non, c'est pas Santé en Liberté. Moi, c'est Renal. Ben, moi, c'est le docteur Ledoux. Ben oui, je le sais. Ça va bien. Ça va très bien, moi. Oui. Qu'est-ce que vous voulez, mon cher docteur Ledoux? Ben, moi, c'est... Ben, vous savez que... Oui. Oui, que vous êtes le docteur Ledoux. Ah! Je suis le docteur Ledoux qui guérit tout. Et puis là, ben, il me semble que vous avez commandé... Je vais appeler, bien sûr, au drugstore. Au drugstore. Ben oui, ben moi, c'est... Écoutez, j'ai fait mes études. Écoutez, monsieur... Oui. Moi, c'est le docteur. Oui, Ledoux. Ledoux, oui, c'est le docteur. Oui, on sait. Ben...
Alors, vous avez un chanteur à me proposer, puis il a une extinction de voix, alors je vais appeler pour au drugstore. Attendez. Drugstore, drugstore. Attends, il n'y a pas de ligne. C'est le docteur Ledoux.